Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous préférer, merci de choisir Kavi Media, le média du développement et de l'entrepreneuriat. Merci de nous écouter. Si vous êtes à la radio, c'est sur la 89.5 en bande FM. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur Kavi TV. Vous êtes forcément sur Star Times, canal 113 si vous êtes en Guinée, canal 779 partout en Afrique. Merci de nous pratiquer sur notre site d'information siaminfo.com. Sur notre application que vous pourrez télécharger sur App Store et Play Store, c'est Kavi Media. Également, là, de ce côté, vous pourrez carrément avoir accès à tous nos programmes. Également, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Kavi TV, groupe Kavi Media, Gangan RTV pour être en direct dans cette émission. Norbert Zongo avait-il raison de dire, je cite, « Les peuples comme les hommes finissent toujours par payer leurs propres compromissions politique avec des larmes, parfois du sang, souvent, mais toujours dans la douleur. » Fin de citation. L'Afrique des intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances livresques pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie. L'Afrique des opposants de circonstances qui se battent et entraînent des hommes sincères avec eux avant de rejoindre l'ennemi d'hier avec armes et bagages, surtout avec la liste des opposants sincères. L'Afrique des indifférents, les pourvus que la pure race des égoïstes, myopes, excusez-moi du terme, pourvu que mon salaire tombe, pourvu que je n'ai pas d'ennui, pourvu que rien n'arrive à ma famille. Tirer de l'œuvre le sens d'un combat de Norbert Zongo, paix à son âme. De quelle catégorie êtes-vous? Bonjour et bienvenue sur Kavi Media, le média du développement. Au sommaire de ce matin, dans un courrier en date du 10 octobre, le mouvement syndical guinéen interpelle le ministre François Bourouno sur la non-application de certains points contenus dans l'accord tripartite gouvernement-patronat-syndicat signé le 15 novembre 2023. Il s'agit notamment des transports et des salaires, de l'octroi des passeports de service. Plus loin, la coordination nationale du mouvement syndical interpelle enfin le gouvernement sur l'intégration des agents en activité de la RTG à la fonction publique. Une épineuse question qui tarde toujours à avoir des réponses fiables. On en parle dans cette émission, le scanner. Limogé le 31 août dernier au sortir d'une suspension pour insubordination. L'ex-directeur général du Centre national de surveillance des pêches abandonne l'UFDG et porte allégeance au CNRD. L'ancien secrétaire général du Comité national des jeunes de l'UFDG est aujourd'hui devenu un soutien indéfectible du régime militaire, larguant du haut de ses années dans ce parti son ambition de voir Sélou Daleng Diallo à la tête de la Guinée. Quand la politique roule avec son cortège de surprises, les questions constituent les panneaux de signalisation. C'est le cas ce matin pour notre grand oral. Nous recevons pour ce premier numéro de la semaine Mohamed Bakary Keïta, ancien DG du CNSP, ancien secrétaire général du Comité national des jeunes de l'UFDG. Voilà le menu pour vous ce matin. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous suivre partout à Conakry, à Somphonia, à Tomboli, à Gbessia, à Kirotia, enfin, il faut le dire, à notre quartier de prédilection, le quartier en tout cas qui était le quartier premier dans cette émission. Yaya Diallo ne va pas me dire le contraire. Absolument. Merci de nous écouter à Yimbaya, Yimbaya qui abrite notre siège social. Merci à toute la Guinée. Du côté de la baie, vous nous pratiquez grâce à nos partenaires de Beta FM. C'est sur la 96.5. Koya également qui s'invite dans cette émission. Mention spéciale à Wankifon, les Wankifonka qui écoutent chaque matin le scanner. Merci de votre fidélité autour de moi. Avec moi, les débatteurs de chaque matin à ma gauche,
Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Est-ce que toi tu n'es pas un fidèle du RPG, par exemple, hein, par hasard, hein, bon. Je ne sais pas. Ça c'est vous qui le dites. Ouais, on a les mêmes couleurs. Je ne veux pas, je ne veux pas commenter ça. Allez, on n'a pas les mêmes couleurs. Heureusement, on a pas heureusement, à peu près. Allez. Il n'y a pas de synonyme parfait en français. Il le sait déjà. Si c'est 100%, toi c'est 50%. Alors. Allez, c'est déjà compris en tout cas. Peut-être moi aussi quelques pourcentages. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Quand la politique nous tient, rien ne nous retient. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Abdallah Camara, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu as passé un excellent week-end. Et je dis bonjour à l'ensemble de nos auditeurs et téléspectateurs. Excellent week-end et je te donne un scoop. Mohamed Ba, si tu veux le retrouver, il faut dire embouteillage. Embouteillage, c'est son deuxième pardon, prénom. Pardon, non, honnêtement, c'est son pardon, deuxième pardon, sois prénom. Gentil pour une fois quand même. Ah d'accord. Pour une fois. Je parle de Mohamed Ba, pas Mohamed S'il te Ba. Abdallah n'invente rien. Je n'invente rien, mais yeah, il est là. Oh là là. Non, là, il est là, ça moi, c'est. Moi, je ne réponds pas. Non, tu t'es pas toi, toi, je vais remettre le bas. On n'a pas dit de répondre. Hein. Maintenant, je suis en train de parler. J'ouvre juste. Oui, mais voilà, ce plan, il est arrivé même à dire que ça a été l'une de ses caractéristiques majeures quand il était à l'école. Qu'il ne venait jamais aller. C'est son deuxième nom. Ah oui. Je suis désolé. Un recordman du retard. Ceux qui me connaissent savent que je viens toujours à l'heure. S'il y a maintenant je suis cas sûr de que des messages vont tomber pour dire que tu ne viens jamais. Voilà, comment, si le premier message tombe, ce qui reste clair, ce qui reste clair, je ne réponds pas aux provocations, surtout quand elles sont matinales. Ibrahima Kamara nous suit à l'instant. Peut-être qu'il est le témoin, hein, le témoin oculaire et auriculaire de ce que nous sommes en train de dire. Il peut certainement nous laisser le message pour nous indiquer hein, ce qui se passe avec cas, Mohamed Leba. Hein, toujours à l'état, il faut le dire. Dans tout, hein, pas seulement dans le studio. Allez, Yagel, on parle de ce courrier, on va dire un chiffon rouge, brandi par le mouvement syndical avec un point qui attire notre attention ce matin au-delà des deux autres points, c'est l'intégration à la fonction publique des éternels stagiaires de la RTG, Radio-Télévision Guinéenne, la maison mère. Même, à mon avis, c'est le point le plus important, les autres points, c'est vrai que on nous parle de passeport pour les centrales syndicales et les secrétaires généraux. Je me pose bien la question, en sommes-nous dans ce pays-là, si c'est les passeports de service qui intéresseraient les uns et les autres, alors qu'en réalité, nous sommes dans un état où tout le monde le sait. L'autosuffisance alimentaire pose un problème. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Guinéens s'érode du jour au jour. À mon avis, voilà où des questions qui devraient pouvoir interpeller les syndicats. Alors, qu'à cela ne tienne, vous l'avez rappelé, les agents de la RTG, je crois que c'est une épineuse question qui traîne depuis un bon bout de temps pour laquelle question jusqu'à date nous n'avons pas de réponse. C'est vrai que vous nous apprenez qu'il y a eu certains qui ont participé au concours d'accès à la fonction publique au compte du ministère de la communication et de l'information. On attend de voir effectivement si on avait tenu compte de tout, c'est qui ils sont au niveau de la RTG. Il y a des agents, des contractuels ou des stagiaires pour ainsi dire qui ont fait à peu près 15 ans, certains 18 ans au niveau de la RTG. Jusqu'à date, aucune lueur d'espoir pour ces gens-là. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui que l'État puisse tenir compte de cela, bien que le Premier ministre l'avait dit ici, lui-même il avait admis que c'est quand même assez incompréhensible que les agents de la RTG qui sont amenés, il faut le rappeler aussi, à faire comprendre aux citoyens ce que le gouvernement est en train de faire, puisque c'est un organe de communication par excellence de toutes les actions du gouvernement, et si les mêmes personnes ne sont pas dans des commissions, des gouvernements, oui, des gouvernements, parce que les gouvernements passent, la RTG elle demeure, la ligne ne change pas. Bien. Voilà, donc je crois que c'est fondamental aujourd'hui que le gouvernement puisse tenir compte de tout cela. Je crois que ça permettra même la productivité au niveau de la RTG et la rentabilité parce qu'un employé qui est bien traité, bien payé, va forcément donner le meilleur de lui-même. Je crois que c'est une façon aussi, ce serait une façon aussi pour le gouvernement d'encourager ces travailleurs-là pour qu'ils puissent être dans des conditions propices pour pouvoir mieux produire. Je crois que ça, c'est un élément fondamental. Maintenant, l'opportunité, on peut bien se poser la question, quelle est l'opportunité de sortir de ce syndicat-là, parce que je pense que
C'est un groupe de personnes, je ne suis pas contre leur combat, leur engagement et tout ce qui s'ensuit. C'est une vocation assez noble, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut qu'ils puissent être cohérents avec eux-mêmes, parce qu'on le sait, il y a eu un mot d'ordre de grève qui a été enclenché ici, vous vous rappelez effectivement. Suspendu jusqu'à présent. Suspendu pour quelle fin, on ne sait pas, parce que de tous les points qui ont été exigés à l'époque, seule la libération de Pendessa, Sekou Jamal a été effective. Maintenant, tout ce qui reste là, on ne sait pas qu'est-ce qui avait prévalu et jusqu'à date, aucune communication. Non, l'autre point aussi, c'est l'intégration des anciens des contractuels à la fonction publique. Des contractuels, mais enfin, là, la question elle est incomplète jusqu'à présent. Et nous savons effectivement que disent les autres, les organisations professionnelles de contractuels, qui disent effectivement qu'à un certain niveau, ce sont les mêmes syndicats qui ont bien voulu s'approprier de leur combat et en faire effectivement un chantage au niveau du gouvernement. On a entendu tout cela, c'est ce qui expliquerait effectivement qu'à un certain niveau, ces associations de contractuels, des anciens contractuels à l'époque, se sont rétractées pour s'organiser à l'interne, pourquoi pas aller avec certaines organisations aussi de syndical de l'éducation, ce qui fut fait notamment avec SNE de Michel Pépé Balamou, ouais, avec Kadiatouba du SLEG, l'autre version du SLEG. Ouais. Donc il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qui se posent. Dessus de ce qu'ils pensent qu'il est fondamental aujourd'hui que ces mouvements syndicaux-là puissent tenir compte de ces questions existentielles, de ces problèmes pour lesquels il n'y a pas effectivement de réponse de la part de ce qui nous gouverne aujourd'hui. Et je pense que si ce n'est d'autres régions non avouées jusqu'à présent, je ne pense pas que l'opportunité puisse se poser, bien que effectivement c'est une question qui existe il y a longtemps, c'est une nécessité absolue que les agents de la RTSE soient effectivement aujourd'hui complètement réjolis de la part du gouvernement. Ça, je crois que c'est fondamental. Des passeports, des services, je ne sais pour quel service. Je pense que le syndicalisme, c'est une vocation, ce n'est pas un métier. Je pense qu'à un certain niveau, alors comment voulez-vous, voyez-vous le paradoxe, Abdallah, que les mêmes syndicats puissent exiger de l'État de passeports, des services. Et posez-vous la question, comment ces syndicats-là peuvent être, disons, indépendants de ce même gouvernement-là. Bien. Je crois que c'est un début d'une compréhension pour que les autres puissent savoir raison garder et savoir que c'est un sacerdoce. Le syndicalisme, ce n'est pas là où il faut effectivement intégrer tous les business. Et nous savons effectivement, vous pouvez compter au bout des doigts aujourd'hui nos syndicats qui ne baignent pas là-dedans. À un certain niveau, on a connu des hommes et des femmes ici qui se sont battus pour l'intérêt général. Je crois que c'est ce qui doit prévaloir au niveau, disons, de ce mouvement-là. On veut bien effectivement que nos syndicats puissent, à un certain niveau, interpeller le gouvernement, puisque c'est leur rôle fondamental, mais on ne peut pas, à un certain niveau, associer vos revendications indication à des besoins personnels pour lesquels besoin la population n'a rien à tirer comme intérêt là-dedans. Bien, n'a rien à tirer comme intérêt. Il faut encore interpeller, continuer le combat dans la plus grande noblesse. C'est important pour la République et pour la patrie. Mohamed Leba, vous avez suivi cette communication à travers un courrier. Le mouvement syndical aujourd'hui qui hausse le ton et il faut s'y attendre. Hein. Il faut s'attendre à une grève, hein, pourquoi pas. Moi, je vous ai dit, le mouvement syndical, peut-être d'aucuns vont s'en prendre à moi, mais ils vont comprendre à la fin que le mouvement syndical aujourd'hui est dépourvu de tout charisme. Je dis bien dépourvu de tout charisme quand il s'agit aujourd'hui de contestation ou de réclamation dans notre pays. Récemment, nous avons vu le mouvement syndical à l'œuvre. Je vous ai dit, quand le cas Pendessa, c'était posé, c'est pas parce que même que c'était à cause ou à travers la lutte du mouvement syndical que le Pendessa a été libéré directement. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres par-ci et par-là, parce que le mouvement syndical était, disons, dans l'obligation à ce moment-là de réagir. Le mouvement syndical était dos au mur, il fallait donc un sursaut, il fallait juste ce déclic-là. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire que le mouvement syndical, le combat porté par les uns et les autres au sein de ce mouvement-là, en tout cas moi, je ne vois pas aujourd'hui la pertinence du mouvement, d'autant plus que, au fait, vous savez, quand il y a des réclamations, parfois il faut être objectif avec ce qu'on veut, ce qu'on demande, et surtout réellement
l'opportunité qui s'offre à nous pour saisir vraiment pour sortir de, c'est-à-dire de l'impasse de cette réserve là et finalement se porter quand même disons porter le combat de quelqu'un. Aujourd'hui on parle du cas des éternels stagiaires, moi je les appelle comme ça parce que moi je ne peux pas comprendre que vous passez plus de 15 ans en tant que stagiaire dans un service et que vous n'êtes pas pris, vous ne regardez pas ou vous ne voyez pas d'aller ailleurs. Je me dis qu'aujourd'hui, s'ils pouvaient au même titre que les autres participer au concours pour intégrer à la fonction publique, je crois que c'est la meilleure des façons. On ne peut pas quand même attendre de l'État. Il faut juste aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous le savez très bien même, aujourd'hui, si on vous sort le nombre exact des travailleurs de la fonction publique, vous allez penser au gouvernement. Automatiquement, parce que ce sont des chiffres très mirifiques, il faut le préciser. Tout le monde travaille à la tout le monde travaille à la RTG. Vous ne pouvez même pas compter aujourd'hui le nombre de stagiaires à la RTG. Je ne dis pas peut-être qu'ici il y a eu changement hier ou avant-hier, mais la même RTG que nous connaissons, 1 et 2, il faut aujourd'hui dire qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est difficile pour moi de dénoncer ou de critiquer quand il s'agit quand même surtout de quelque chose qui concerne directement le paysage médiatique. Mais aujourd'hui, la RTG a besoin, c'est-à-dire d'une réinvention. Et surtout quand il s'agit par exemple de la gestion des stagiaires là et autres. La RTG n'est pas aujourd'hui au-dessus, des autres télés nationales, des autres pays. De la manière dont ça se passe, il faut régulariser les choses selon des normes. Je n'ai jamais vu une période de stage qui dépasse plus de 6 mois. Une période de stage, c'est 3 mois après renouvelable. Si ça dépasse 6 mois, en tout cas, je ne suis pas RH, mais je sais que si vous allez au-delà de 6 mois, vous êtes en contrat. En contrat. C'est fini. Le contrat, ce n'est pas forcément ce que vous signez. Ce que le vous écrivez. Peut-être, voilà. Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est incompréhensible que jusqu'à présent là, cette éternelle question se pose au niveau de la RTG. Par rapport à ce que réclame le mouvement syndical pour ce qui est des passeports de service, je ne vais pas me prononcer dessus parce que je me dis que c'est un non-débat, c'est que c'est un faux débat. Je ne vois pas la pertinence de cette réclamation-là. Il y a à la rappeler tout à l'heure. Mais si attention, il y a le premier point. On parle de salaire et de mobilité. Tout ça là, on est d'accord. Je parle de passeport de service. Je ne vois pas, j'ai dit bien, je ne vois pas, moi, peut-être que vous pouvez le voir, moi je ne vois pas la pertinence réellement de cette réclamation, et surtout maintenant là. C'est vrai que peut-être que c'est une opportunité qui s'est offerte à eux pour dire non, il faut insérer cela pour voir est-ce que ça va marcher, comme quelqu'un par hasard qui se retrouve à Madina pour acheter quelque chose, voilà, vous êtes vendeur, vous dites à l'acheteur, ça je vends à 1 million, alors qu'en réalité c'est à 100 francs ou à 200 francs, pour juste voir quand même que vous pouvez gagner ce minimum-là. Donc aujourd'hui, il faut être objectif quand il s'agit des réclamations. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas prétendre être des syndicalistes alors que vous-même vivez dans les différentes poches des commis de l'État. Oui. Ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer à me harceler alors qu'en réalité, je vous nourris. Si je coupe carrément cette ration-là, vous allez perdre automatiquement et c'est par après que vous allez tomber dans du chantage émotionnel à faire aux gens par-ci et par-là parce que tout simplement, le combat même que vous menez aujourd'hui, quand on regarde le menu, on se dit vraiment que c'est du riz vraiment fade. Ouais, Mohamed Baloupiem, vous estimez que ce ne sont pas seulement les travailleurs de la RTG qui devraient faire le concours, donc pas d'exclusivité, parce qu'il y a des centaines chaque fois d'étudiants qui sortent de l'ISIC. L'ISIC, c'est l'Institut supérieur de l'information et de la communication situé à Kuntia. Je pense que ce qui est en train de se passer à la RTG, c'est prévisible. Si on voit cela, que ça arrive à traîner, qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, je pense que vraiment c'est le boomerang. On a créé une situation, on a fait de la maison nationale, la maison mère comme on aime à l'appeler dans le monde des médias en Guinée, la maison mère, la RTG. On a créé une famille autour à l'enceinte même de cette maison, la RTG, parce qu'on se demandera, tous ceux qui sont là, en tout cas les stagiaires,
Je n'ai pas les statistiques, mais vous vous rendrez compte que plus de 50% de ceux qui viennent là comme stagiaires viennent à travers quelqu'un de la maison, soit c'est un ami, soit c'est un oncle, soit c'est un neveu, ça soit une recommandation. C'est rare de voir des gens qui viennent directement des écoles et qui déposent des documents qu'on les prenne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Deuxième chose à noter, c'est vous voyez, Ba en train de soulever tout à l'heure un cas de passeport, qu'on parle de passeport. C'est parce qu'on parle de compromis autour de ceux qui sont aujourd'hui à la RTG autorisés à être vraiment reversés directement au compte de la fonction publique. Parce que c'est des compromis qui a eu lieu entre le syndicat et le gouvernement ou avec les gouvernements. Donc il peut tenter aussi avec les passeports dont on parle là. Pour être encore beaucoup plus clair, précis là-dessus, la RTG, comme le ministère, ce n'est même pas la RTG, le ministère de l'information et de la communication, c'est un département gouvernemental comme l'ensemble des autres services, l'ensemble des autres ministères. Et qu'il y a des écoles un peu partout, il y a des universités un peu partout en Guinée, des instituts d'enseignement supérieur un peu partout, où chaque année, il y a des centaines de personnes qui finissent leurs études d'enseignement supérieur, et qui sont appelés à être dans des services, dont la fonction publique. Et que parce qu'on sait que chaque année, il y a des gens qui vont à la retraite, y compris le ministère de l'Information et de la Communication. Donc ceux qui sortent de ces écoles, de ces instituts d'enseignement supérieur, de ces instituts de journalisme, de la communication, de ces universités, ont aussi le droit d'accéder à la fonction publique. Ce n'est pas seulement, on peut aller dans le secteur privé, il y en a qui diront qu'ils ne veulent pas vraiment, la fonction publique ne les intéresse pas. Mais d'autres, on a tellement miroité la fonction publique que tu peux rester à la maison, prendre ton salaire sans bouger, et que voilà, c'est la ruée, tout le monde veut être à la fonction publique. C'est l'image que c'est la sécurité, oui. La sécurité, si tu es là-bas, tu es tranquille, ton salaire est là, et l'essentiel est là, le sac de riz est garanti. C'est ce qu'on nous a toujours miroité depuis quand on était encore au collège, au lycée, à l'université. Donc tout le monde aujourd'hui pense que la fonction publique, c'est un passage obligé si on veut avoir une vue bien sécurisée, avoir son salaire, même si ce n'est pas beaucoup, mais garanti, tranquille, et voilà. Et maintenant, ceux qui sortent de ces écoles de journalisme, de ces instituts d'enseignement supérieur, qui sortent chaque année, n'ont pas droit à aller à la fonction publique. Pourquoi ? Que parce qu'il y a un accord, protocole d'accord signé entre l'État et le syndicat. Pourquoi ? Seulement les gens de la RTG, je ne suis pas contre, vous trouverez que plus de 60% des gens que vous trouverez là-bas, soit on a travaillé ensemble, soit on a étudié ensemble. Donc je ne peux pas avoir quelque chose de contre. Mais c'est une question de principe qui est là. Si on dit seulement au ministère de l'économie, on fait la même chose, il y a des stagiaires partout. On dit au ministère des eaux et forêts, mais comme on appelle, de l'environnement, la même chose, un peu partout. Bref, ministère de la Santé, dans tous les départements ministériels, on dit les stagiaires, seulement ceux qui sont dans les différents services, dans les structures de santé à Conakry, à l'intérieur du pays, c'est eux qui ont le droit à aller postuler et être engagés directement à la fonction publique. Et ceux qui vont sortir maintenant vraiment de ces écoles, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Je pense que le mal, on a créé un mal. Et maintenant, on va de mal en pire parce que ce n'est plus une revendication liée vraiment au bon fonctionnement de ces gens-là, mais c'est d'autres avantages qu'on crée comme le passeport. Mmh. Qu'est-ce que cela a à voir avec vraiment le niveau de vie ou le bon fonctionnement du stagiaire? Ce n'est même pas tous les employés. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. On n'est pas contre ceux qui sont à la RTG, mais on pense aussi à ceux qui sortent de ces écoles, qui pensent qu'ils n'ont pas autre moyen vraiment d'aller ailleurs. Leur rêve, c'est d'être à la fonction publique. Chacun a un rêve. Moi, mon rêve, c'est d'évoluer dans le secteur vraiment privé. Ouais, et voilà, dans l'entrepreneuriat. C'est mon rêve à moi. Et je prie Dieu qu'il me développe de ce côté. D'autres ont leur rêve d'être à la fonction publique. Mais pourquoi ne pas vraiment leur permettre d'avoir leur avantage, de pouvoir leur permettre de réaliser leur rêve? Si on dit seulement ceux qui sont déjà dedans, on se contente d'eux, ceux qui sont venus là. Certains, oui, ils ont déposé les documents, ils sont venus. Mais celui qui est venu vraiment à travers un frère, qui n'a jamais su comment faire une brève, qui ne sait pas comment vraiment faire une différence entre un commentaire, un reportage, c'est arrivé à la maison qu'on a fait ça à travers peut-être le centre de formation du ministère de l'Information et de la Communication. Et celui qui a fait pendant 3 ans, 4 ans, le journalisme, et vous dites que ce dernier n'a qu'à se débrouiller ailleurs, celui qui est déjà là, qui a fait une formation juste dans le centre de formation, c'est lui qui vous privilégiez. Mais lui, qui vient d'une école, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Aller dans une école privée et comme on appelle dans une radio privée, dans une télévision privée, où le nombre de radios et de télévisions privées encore aujourd'hui est drastiquement réduite, qu'est-ce qu'on va faire? Si le nombre est réduit, on va faire quoi de ces gens qui sortent? Ce qu'il faut faire,
ouvrez la porte. Ils ont eu la chance de travailler, régler leur cas, mais il faut revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Si quelqu'un a fait le stage, il a de l'expérience, mais alors mettez-le avec quelqu'un d'autre qui n'a pas d'expérience, vous le confrontez. Si c'est lui qui domine, mais vous le maintenez. Mais l'autre, vraiment, c'est son droit aussi parce qu'il est guinéen, parce qu'il a bénéficié vraiment du traitement de l'État à travers l'école, à travers l'université. Pourquoi vous le mettez à l'écart? Est-ce qu'on va dire que c'est ce qui revient là? Je ne le dis pas, mais vraiment qu'on essaye d'être juste dans ce que nous faisons. Dans Bien. Tous les secteurs de ce pays, dans le gouvernement, dans les services publics et comme on appelle les privés, il faut être juste. Il ne faut pas brimader, il ne faut pas, comment je vais dire ça, il ne faut pas priver les autres de leurs droits aussi. C'est un droit à tout le monde, d'un Guinéen, d'être à la fonction publique. Au Guinéen maintenant de dire que moi je ne vais pas là-bas ou non je préfère ceci, je préfère cela. Mais ne le bloquez pas. Surtout bien. D'ailleurs, je le dis bien, beaucoup d'autres avaient déposé les 100 000 francs pour être vraiment pouvoir faire ce test. Quand ils ont orienté, soit ils ne savaient pas, soit ils n'étaient même pas présents. On ne les a pas retournés les 100 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Et on les a dit de trouver autre département parce que l'information et la communication étaient carrément réservées aux travailleurs de la RTG. Et ça, c'est un autre problème. Et ça, quand vous dites encore d'autres départements, il y a combien de départements aujourd'hui où tu vois qu'il n'y a pas de gens qui sont décalés de la RTG, qui assurent la communication ou qui font le reportage au compte de la RTG, mais qui sont dans les services, dans les différents ministères là, qu'on appelle communication. Ça, c'est notre problème qui est là. Il faut qu'on se réveille. On veut faire la justice, on veut faire la refondation, ça doit être partout, même dans notre propre maison des journalistes. Il faut que nous-mêmes nous revoyons comment nous allons fonctionner, comment nous allons balayer dans notre propre maison avant de parler des autres là-bas. Si cela n'est pas fait, je pense que le problème existera toujours. Vous allez bénéficier et comment donner la priorité à certains, mais malheureusement, vraiment, le Tout-Puissant là pourrait sauver les autres aussi qui ont le droit, mais qui ne sont pas là. 153 personnes, en tout cas, c'est le nombre de places disponibles. 153, c'est le nombre de places disponibles selon les statistiques en tout cas fournies par le ministère de la fonction publique. Et je pense qu'Abdallah, même ça, c'est une, désolé de le dire, mais je pense que c'est une mauvaise évaluation. Non, c'est parce 153. Que ça, c'est le besoin. Quand on a dit au niveau de la fonction, bon, je ne suis pas, on ne veut pas vraiment aller en profondeur. Non, mais il faut aller. En matière de travail, en matière de communication, en matière de journalisme pur et dur, vous n'allez pas dire 153 personnes dont on parle. Oh, ce sont ces 153 là qu'on va balancer sur l'ensemble du territoire national. Je suis sûr qu'on parle de Conakry, juste de la RTG. Ces 153, c'est pour ça. Allez à l'intérieur du pays. Il n'y a que des agenciers. On sait très bien la place de l'AGP dans le traitement de l'information. On connaît la place de la RTG et comment on appelle l'AGP. Tout le monde dans les conditions normales, toutes les radios, toutes les télévisions du pays devraient être affiliées à cette maison. C'est la première maison en matière de traitement de l'information. La primauté d'abord, la base, c'est l'information. L'agence qui est c'est parti de là. L'agence, et qu'on c'est considère... ce qu'on appelle grossiste oui, de l'information. Oui, ce sont les grossistes de l'information. Nous passons des informations, j'ai parfois même, peut-être, je ne sais pas si on a le complexe ou quoi, de citer l'AGP ou autre. On pense que ceux qui sont à l'AGP, non, c'est des gens qui ne méritent pas là, alors que c'est eux d'abord, la bonne information. L'info, qu'est-ce qui s'est passé du côté de le pont qui s'est coupé entre Kirouane et Cancan, mais c'est l'AGP qui nous a balancé cela. Ouais. Les autres radios et télévisions de ce pays, c'est eux. C'est mais non, est-ce que dans toutes les préfectures, nous avons l'AGP, les représentants, les agenciers de l'AGP, au complet dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures, voire même un peu plus bas? Je ne crois pas. Si on tient compte de cela, on fait le calcul, on multiplie, on se rendra compte que 153 ou 100 combien, le nombre est petit, le chiffre est très petit par rapport à cela. Parlons du traitement au niveau maintenant des préfectures. Ça, c'est le LGP. Quand vous prenez la préfecture, vous prenez la sous-préfecture, vous pensez que quand il y a des reportages à faire au compte des préfectures, vous pensez que c'est l'AGP qui peut couvrir tout cela? Je dirais non. Les grandes villes comme Cancan, Labé, Kindia, Zérékoré, d'abord, les régions Mamou, Farana, on a besoin d'une bonne équipe dans toutes les préfectures. Oui. Les zones minières aujourd'hui, on a besoin de bonnes équipes. Une équipe, quand on dit une équipe, c'est vraiment pas JRI comme dans les radios privées, mais vraiment une bonne équipe avec les studios, avec les salles qu'il faut pour pouvoir couvrir comme ça se doit, parler de l'environnement, parler de santé, parler de tout ce qu'il faut pour dans le cadre de développement. Parce que la Guinée est en train de... qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on veut vraiment faire une refondation. On ne peut pas faire refondation, juste se contenter de ce qui s'est passé depuis 1958, depuis 1960. Non, quand on parle de refondation, je parle de journalisme. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait à la base. Il faut voir dans les secteurs miniers, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des zones aujourd'hui où il n'y a même pas de radio. Il n'y a pas de radio. Allez dans la zone de Boké, Sangaré, de Kamsar, avec tout ce que vous voyez là. Pas de radio. Rural.
Il n'y en a pas. Radio Rural, là, quand on parle de Radio Rural, est-ce que ça fonctionne? C'est de quelle heure à quelle heure? Juste là. On veut des radios qui fonctionnent à tout moment. Des radios qui parlent. À plein temps. Des radios qui parlent des enfants. Des radios qui parlent des enfants. Des radios qui parlent des femmes. Des radios qui parlent des agriculteurs et des agriculteurs. Et que ça fonctionne 24 heures sur 24. On va dire que dans tout ça là, tout ce besoin là, on a besoin que de 150 et quelques, moins de 200 personnes sur l'ensemble 153, du territoire national. Exactement. Non, on n'en a pas besoin. La première chose, il y a autre chose que le président, il y a l'actuel président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo. Quand il est venu à la RTG, il a créé quelque chose. On appelait ORTG, oui, l'office. C'était l'office. Après, une certaine indépendance qui devrait être là. Après, ils ont dit au président à l'époque que c'était des... Comment on les appelle même? C'était des gens qui n'aimaient pas la République. C'est tout ce qu'on a essayé de faire. Comme la création des radios privées aussi, c'est ce qu'on a dit. Quand vous créez, à l'époque, c'est ce qu'on disait même au président Lassana Conté. Ouais. Quand vous créez ces gens-là, ils seront contre vous. Ils vont créer pour l'opposition. Et l'office aussi, c'était la même chose. Quand on a levé le président Yassine à l'époque, il est parti avec l'ORTG. On l'a levé. Alors que la base, si on avait réussi à mettre sa place à l'époque, c'est pas ce qu'on allait parler de la RTG aujourd'hui. Il y aurait, ça allait avoir une certaine indépendance, même si affilié à l'État, mais une certaine indépendance qui allait permettre de perfectionner, de professionnaliser encore mieux le secteur, tant sur le plan, au niveau de Conakry que sur le plan national. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être fait. Là, comme on a pas au niveau de la fonction publique, la communication, l'information, dans tout, quand on prend rien que la zone de Bokué, les 153 ou 160 dont on parle là, Bokué seulement, la région de Bokué peut consommer. C'est 553 là, sans qu'on ne parle de Cancan, de Ségiri et toutes ces zones minières. Je crois qu'il faut se réveiller. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut noter. Je pense que si on dit, le ministre de la fonction publique aujourd'hui arrive à dire qu'on essaie de voir où les envoyer, c'est parce qu'il y a un travail préalable qui n'a pas été fait. Si le travail préalable avait été fait, ouais, les besoins réels exprimés, sans qu'on ne contente de ce qui se passe dans le bureau, ah, laissez tomber, on a fait un contrat avec le syndicat, on se contente de cela, et qu'on n'essaie pas de voir ce qui se passe réellement, le besoin réel sur le territoire, on n'allait pas se retrouver là aujourd'hui, savoir, on dit, ok, on prend 153, mais qu'est-ce qu'on va faire de 153? Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de besoin exprimé réellement pour pouvoir consommer le nombre de personnes qu'on a besoin pour fonctionner, faire fonctionner vraiment le journalisme dans ce pays, faire fonctionner réellement la communication dans ce pays. Alors que ça fonctionne rôlement, il y a des besoins un peu partout, je le dis bien, un peu partout. Si on fait un travail, un mois, sur ce comme on appelle, par rapport au bon fonctionnement des médias dans ce pays, dans toutes les préfectures, le nombre de personnes qu'il faut pour faire connaître, vous vous rendrez compte que c'est un autre monde, un autre métier noble dont on doit encore continuer à valoriser. Oui, pour terminer. Oui, je crois qu'il y a là des problèmes, une pléiade de problèmes qui se posent au niveau de la RTG de manière particulière, mais au niveau du département aussi de façon générale. Au niveau de la RTG, le problème structurel se pose parce que tout simplement aujourd'hui, nous savons effectivement que ce soit les DRTG ou la GP, il y a là effectivement un problème de structuration au niveau de l'étendue du territoire national parce que tout simplement le niveau de retentissement de la RTG posait problème à un certain niveau, ce qui fait que le ministre Fana Souma à un certain niveau était à l'intérieur du pays pour pouvoir redémarrer un certain nombre de choses parce qu'il y avait plusieurs radios locales ou rurales qui ne fonctionnaient pas ou des relais aussi qui étaient complètement éteintes. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui que cela aussi soit pris en compte parce que s'il y a des problèmes structurels qui se posent alors qu'en réalité ceux qui sont affectés ou qui seront affectés dans les différentes préfectures ou régions doivent pouvoir effectivement travailler. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'AGP, la RTG, dans plusieurs préfectures aujourd'hui, se sont arrangés à ce que les correspondants soient les mêmes pour l'AGP, pour la RTG. Dans plusieurs préfectures aujourd'hui, c'est comme cela. Maintenant, quand il s'agit de la télévision, il y a souvent des envois spéciaux qu'on essaie d'amener, quelquefois, ou quelquefois de représentants qui peuvent cumuler les deux préfectures qui sont successivement liées. Donc, je pense qu'il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Tout cela relève effectivement de l'état de santé même du département de la communication. Aujourd'hui, nous savons bien, un ministère de la communication indirectement chargé de médias, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Je crois que c'est fondamental que le ministère puisse avoir tous les moyens possibles pour pouvoir exister un peu partout. La force de la RTG sera c'est qu'elle va prévaloir sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi on parle de la maison mère. Donc, s'il y a des problèmes ou des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas touchés par la RTG, cela va de soi effectivement que l'influence de la RTG et tout au plus aussi, disons,
l'engagement d'un certain nombre de travail au niveau de la RTZ va poser problème parce que c'est en fonction des besoins exprimés que les uns et les autres vont être affectés à travers le temps du territoire national. Donc ceci dit, je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on essaie d'assainir à l'interne d'abord. Et le problème d'équipement, on n'en parle même pas parce que ce sont eux-mêmes, ceux-là, qui sont au niveau de la RTZ, qui nous disent effectivement que la RTZ est confrontée à tous les problèmes aujourd'hui. Ouais. Comment se fait-il que c'est déjà c'est assez palpable. Vous avez tous les directs à l'occasion de toutes les fêtes que nous organisons ici. C'est à partir des médias privés qu'on essaie d'échanger pour pouvoir faire passer les directs. Ouais. Ça en dit long assez sur l'état de santé de notre RTG. Alors, que voulons-nous si la RTG elle-même aujourd'hui souffre de beaucoup de problèmes primaires pour lesquels l'État devrait quand même pouvoir faire face aujourd'hui. Il y a des problèmes qui se posent, quelquefois c'est les gens roulants, quelquefois c'est des caméras qui ne sont pas à la mode, il faut le dire actuellement. Des caméras de 1302. Ça pose problème aujourd'hui. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui que l'État puisse créer toutes les conditions et chercher des hommes et des femmes aussi qui ont ce qu'on appelle le mérite. Bah, le rappeler ici, il y a beaucoup d'entrées là-bas qui ont été pistonnées ou tout au plus recommandées par certains qui sont proches d'eux. Alors que nous avons les universités ou des instituts de formation spécialisés à la matière où on pouvait prendre le meilleur pour pouvoir les amener, que l'État puisse s'engager à les soutenir dans ce sens-là. Je crois qu'il faut que nous sortions de ce tamatérisme-là. C'est ce qui pourra permettre à la Guinée, dans tous les secteurs, je crois que ce qui est valable aujourd'hui au niveau de la RTZ ou au ministère de la Communication, c'est valable un peu partout. Il faut qu'on sorte de cela et qu'on essaye de voir et que la rationalité prime dans tout ce que nous sommes en train de faire. Bien. Oui, Mohamed Ba, en une minute. Voilà, il faut aussi ajouter ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, on réclame des moyens, c'est-à-dire de l'État, pour soit le ministère de la Communication, la RTD, tout, tout. Il faut aussi penser à la politique réellement à mettre en place pour utiliser ces moyens-là à bon escient, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est vrai, aujourd'hui, quand vous partez soit à l'intérieur du pays, même à la RTG même ici n'est pas épargnée. La dernière fois, je posais cette question au cadre du ministère de la Communication qui était avec nous ici dans ce studio par rapport à la RTG2. La RTG2, aujourd'hui, que vous pouvez regarder, vous allez suivre jusqu'à un certain moment et ça se coupe carrément. C'est le noir que vous regardez. Vous êtes obligé. Sauf que cela a été résolu récemment. Il faut quand même. C'est que il y a des avancées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avancées. Sauf que jusqu'à présent, ça ne va pas encore. Parce que je dis bien, il n'y a pas une télé qui gratte. C'est comme si vous avez mis des anciens CD. Je sais de quoi je parle parce que je regarde souvent ces deux-là la nuit. De l'autre côté, par rapport au cas concernant les radios rurales, des relais et autres, surtout des radios rurales, Abdallah, aujourd'hui, il y a un problème de personnel. À l'intérieur du pays, vous allez voir la plupart des gens qui sont là comme étant considérés comme étant journalistes, la plupart ce sont des enseignants, des personnes qui n'ont jamais vu quand même un professeur d'université concernant les cours de journalisme. Quand on parle de brèves, tout autre, vous allez comprendre qu'il n'y a même pas de journal. La plupart c'est de faire la synchronisation au moment des journaux de la RTG parce que tout simplement il n'y a pas de ressources humaines, parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment d'outils et il n'y a pas de personnes aussi qualifiées pour utiliser ces outils-là. Je crois que c'est un véritable problème qui va même au-delà des réclamations pour ces passeports de service-là. Il faut que l'État, si, parce que quand même quand on parle du pays, on voit tout simplement quand il s'agit du plan de l'information, la première télé, c'est quand même la télé nationale. Vous prenez les autres pays, vous allez voir combien de fois. Et si il y a la télé numéro 1, il y a la télé numéro 2, vous allez comprendre que presque ces télés sont traitées sur le même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, je dis que c'est difficile pour moi quand même de jeter de l'anathème sur quelque chose qui concerne le paysage médiatique. Mais il y a beaucoup de choses à revoir au niveau non seulement du ministère de la Communication en termes de stratégie et politique, mais aussi au niveau de la RTG. Donc, quand il s'agit du cas des stagiaires, tout simplement, il faut qu'on soit légaliste parce que c'est normal. Ces stagiaires-là ne sont pas au-dessus des autres. Il faut passer par le concours. Ce qui est déjà compris, une interpellation et du mouvement syndical et des débatteurs de cette émission. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant d'enchaîner avec notre invité de ce lundi. Abdallah, une pensée positive à mon
à Monsieur le Président Doumbouya, Kassé Elhadj Sidi Bé, Dame Gouverneur, Ministre Alphonse Charles White et mon grand frère Ministre Fana Souma. Une bonne nouvelle pour les stagiaires de la RTG pour leur intégration à la fonction publique. L'infatigable communicant du CNRD civilisé, Monsieur Sila Rukens Abdallah, ne comptez pas sur les syndicats guinéens pour quoi que ce soit, puisqu'ils ne font pas le combat pour les causes de la population guinéenne, mais plutôt leur propre cause. Grand merci au général Mamadi Doumbouya. Une pause derrière, nous recevons notre invité. Avec lui, nous parlons de la transition et surtout de la politique en général, avec cette annonce qui dérange, et vous allez le savoir tout à l'heure. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président. Le général Mamadi Doumbouya, tout ce qu'on a à dire, à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attend. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacités, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien qu'il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Bien.
Bienvenue, si c'est maintenant vous nous prenez en marche dans cette deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi Media, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble du territoire. Vous êtes sur la 89.5 en bande FM, si vous êtes à la radio 96.5 à la baie grâce à nos partenaires de Beta FM, canal 113 du Bouquet Star Times, si vous êtes en Guinée, partout en Afrique, canal 779 sur nos réseaux sociaux, Kavi TV Group, Kavi Media, Ganga RTV qui relaie en direct cette émission sur Facebook. Vous pourrez également nous suivre via notre application que vous pourrez télécharger sur Play Store et App Store, Kavi Media, simplement pour suivre tous nos programmes sur notre site d'information siaminfo.com. Vous avez la possibilité de nous écouter et de nous regarder en direct dans cette émission. Je vous le disais, limogé le 31 août dernier, au sortir d'une suspension pour insubordination, l'ex-directeur général du Centre national de surveillance des pêches abandonne l'UFDG et porte allégeance au CNRD. L'ancien secrétaire général du Comité national des jeunes de l'UFDG est aujourd'hui devenu un soutien indéfectible du régime militaire. Larguant du haut de ses années dans ce parti son ambition de voir Seydou Alain Diallo à la tête de la Guinée, quand la politique roule avec son cortège de surprises, les questions constituent les panneaux de signalisation. C'est le cas ce matin. Et pour notre grand oral, nous recevons dans ce studio et sur ce plateau Mohamed Bakary Keïta, il est ancien DG du CNSP, ancien secrétaire général, maintenant s'il faut le dire, du Comité national des jeunes de l'UFDG. Monsieur Keïta, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs, bonjour à l'ensemble des chroniqueurs ici présents. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Vous avez fait une sortie récente dans notre journal, il faut le dire, une de nos éditions d'information, vous dites que vous quittez le navire UFDG. Écoutez, vous êtes en train de caricaturer les choses, alors ce qui devrait être présenté comme bien sûr une situation claire. Mmh. D'abord, je n'ai pas été suspendu pour insubordination, il faut le rappeler, il n'y avait pas de motif pour la suspension. Je n'ai pas. Et donc, de ce point de vue-là, vous savez aussi que ce n'est pas maintenant, pas récemment, que j'ai quitté l'UFDG. J'ai quitté l'UFDG pour rejoindre le général Mamadou Doumbouya pour l'atteinte de ses objectifs les plus grands et de ses ambitions les plus nobles depuis son arrivée, bien sûr, à la tête du pays. Cela est une évidence, vous le savez tous. Nous savons tous que j'ai quitté et que j'ai fait en sorte que toute la procédure soit respectée en la matière. Le président de l'UFDG, à l'époque, lui-même a fait une déclaration pour dire que nous avons fait l'objet de consultations, de discussions, jusqu'à trouver un consensus pour que je puisse rejoindre le général Mamadou Doumbouya. Et à ce niveau-là, cela veut dire directement que je n'étais plus responsable de l'UFDG et que je faisais allégeance à un homme, à sa vision et, bien sûr, à l'ensemble de ses objectifs. Attention, monsieur Keïta, parce que dans votre message du 22 janvier 2022, si je me trompe sur la date, vous pourrez me rappeler, ça existe sur votre page Facebook. En aucun cas, vous n'avez mentionné ce jour que vous portez allégeance au général, mais surtout, vous poursuivez le combat pour la démocratie, la liberté d'expression et vous respectez les âmes perdues sous Alpha Condé. Je pense que là, il y a deux phrases et deux significations. Ou c'est moi qui ne comprends pas. Non, il n'y a pas deux phrases. Il n'y a pas de signification. Allez-y. Bien, quand tu rejoins un homme, alors que c'est une cause commune, un parti politique c'est un idéal, un idéal pour lequel on se bat et qui est composé de l'ensemble des idées auxquelles vous souscrivez pour bien sûr aller à la conquête du pouvoir et exercer le pouvoir si bien sûr vous en avez l'occasion. Ça c'est un idéal. Quand tu quittes cela pour rejoindre la cause commune ça concerne la vie de la nation, l'ensemble des Guinéens, vous et moi et tout le monde. Cela veut dire qu'il n'y a plus de possibilité que tu sois affilié à qui que ce soit. Tu es affilié à celui qui incarne la nation et qui est le premier responsable du pays. Il n'y a pas de discussion. Et vous n'avez pas à faire allégeance à ce niveau-là à deux personnes. Vous n'avez pas à faire allégeance à deux entités. L'entité qui prime, c'est l'État. L'entité qui vaille, c'est l'État. De ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. J'ai fait allégeance au général Mamadou Doumbouya
pour l'atteinte de ses objectifs les plus grands et de ses ambitions les plus nobles. Est-ce que c'était une démission ou pas? Quand vous quittiez, c'était, vous avez suspendu juste momentanément votre départ de l'UFDG ou bien vous avez démissionné en disant à partir d'aujourd'hui, j'appartiens vraiment aux idéaux du CNRD? Toute interprétation que vous pouvez, que vous voulez donner à la chose, cela est de votre opinion. Moi, ce que je sais, j'ai dit que je fais allégeance au général Mamadou Doumbouya pour l'atteindre les plus grands et les ambitions les plus grandes. Abdallah, les mots de sens, je dois commencer d'abord partir ici, Abdallah. Nous avions fait nous avions mené des démarches à l'époque pour avoir le grand frère Bakary. Nous y étions au niveau de sa direction. Ouais. Nous avons passé par certains proches. Il est là présent. Mais nous n'avons obtenu aucune réponse valable. Et ces jours-là, nous y étions. On vous a annoncé notre présence, mais vous n'avez pas voulu effectivement nous recevoir du côté de Matam. Soit dit en passant, pourquoi maintenant prendre la parole? D'abord, je ne sais pas. Vous pouvez vous tromper sur un certain nombre de choses. Vous n'avez pas de certitude que j'ai reçu la commission que vous étiez là. Vous n'avez pas de certitude pour cela. C'est là. Les caméras existaient. On nous faisait comprendre. On ne va pas polémiquer. On va l'écouter. On ne va pas polémiquer. C'est une accusation grave. Je ne pense pas que je sois venu ici pour que vous fassiez mon procès. Non, ça c'est loin de nous. S'il vous plaît. Quand vous devez faire, que vous êtes des journalistes, vous devez faire des affirmations, essayez d'abord d'avoir la preuve de la certitude que oui, j'étais là d'ailleurs et que j'ai reçu l'information. Ce n'est pas évident. D'abord, les journalistes ont toujours été, bien sûr, proches de moi, qui sont mes amis. Moi, quand on m'invite, je réponds. Et vous savez, je vais vous dire, les contraintes administratives ne permettent pas à un cadre qui est à un niveau technique de prendre la parole régulièrement. Cela avec toutes les considérations subjectives qui peuvent exister. Ça peut donner l'impression que vous êtes en train de conquérir le poste de votre hiérarchie supérieure. Et ça peut amener beaucoup de choses dans l'exercice de la fonction. Donc c'est pour nous, c'était purement dans le cadre technique. On va laisser évoluer. Comme il a dit, c'est pas un procès. Les contraintes administratives ne permettent pas à un cadre de prendre la parole régulièrement si tu n'es pas à un niveau politique. Moi, j'étais à un niveau technique, vous le savez. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, les considérations subjectives auxquelles j'étais peut-être assujetti ne pouvaient pas me permettre de prendre la parole régulièrement. Mais je vais vous dire, je n'ai pas été informé officiellement que vous étiez là, je n'étais pas au courant. Bien. Mais là, je vous le dis. Puisque vous le dites, je pense que la question est répondue, Yaya, et on ne va pas tarder là-dessus, on n'est pas là pour faire son procès. Allez, l'autre question, c'est par rapport au CNSP, le Centre National de Surveillance des Pêches. Vous avez soulevé tout à l'heure une question qui me tient à cœur. Vous dites que vous n'aviez pas été suspendu pour insubordination. J'ai fait exprès de dire insubordination. Parce qu'après, aujourd'hui, vous avez la chance ou cette opportunité de répondre à ma question que je voulais poser l'autre fois, quand on était parti vous voir, c'est est-ce que M. Bakary avait des problèmes ou des soucis de communication ou il y avait un quelconque problème entre lui et sa ministre de tutelle à l'époque? Vous savez, je suis un homme qui se focalise que sur l'avenir. Le passé reste le passé et je ne fais pas de polémique autour de cela. Vous avez parlé de s'il vous plaît. Je veux simplement que les choses soient claires et que soient situées dans leur contexte. Ce qui n'est pas administrativement mentionné, cela ne devrait pas être l'objet de déclaration. De ce point de vue-là, je disais donc que, de mon point de vue, je ne vais pas revenir sur des questions comme cela. Moi, ce qui m'importe, c'est que aujourd'hui, je suis permis de prendre la parole librement en tant qu'acteur de la société guinéenne et de dire ce que je pense. Mon opinion propre à moi sur la vie de la nation et son fonctionnement, son organisation et tout. Et aujourd'hui, je le fais. Et je le fais aisément. Ben. Aujourd'hui, je suis au plaisir de dire que je suis parmi vous. La dernière fois aussi, vous n'avez pas pu me voir. Alors, c'est moi qui me suis déplacé vers vous. Bon arrivé. Quand le décret tombera, ça va être aussi très difficile. Donc, tu as l'impression qu'il y a un décret qui arrive là. Je sais bien. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas s'il y a un décret. Personnellement, je suis pas au courant. Mohamed Lebas, allez-y. Il faut s'attendre quand même à un décret quand on porte allégeance quand même au président. C'est ce que vous estimez en Guinée. Vous bien, en tout moment. On est en Guinée, mais c'est parce qu'on est là qu'on parle. Ce n'est pas ma question. Yeah. Ma question, c'est de relancer celle de Bamomet tout à l'heure. En quittant l'UFDG, est-ce que vous aviez l'intention de revenir ou bien c'était un pont qui était carrément coupé pour rejoindre le navire du général Mamadou Doumbouya? D'abord, écoutez, je vais vous expliquer. Pour moi, j'ai dit quand j'ai rejoint le général Mamadou Doumbouya, c'était pour l'atteindre de ses objectifs les plus grands et de ses ambitions les plus nobles et de faire en sorte que la transition ne soit pas un échec. Parce que je vais vous dire une chose. Nous qui avons fait en sorte que la Guinée ait connu une décennie, bien sûr, de gouvernance civile, et
nous avons aujourd'hui beaucoup de choses que nous devons régler à l'endroit du peuple de Guinée. Nous avons en cela notre conscience. Un échec d'une transition qui a été appelée par nous les hommes politiques, qui avions à l'époque, vous pouvez vous souvenir, appelé l'armée à intervenir. Son échec reviendrait à une trahison à l'endroit de l'ensemble des morts que nous avons enregistrés les dernières décennies. Cela sous-entend que quand je quitte un navire, je ne fais pas de projection sur l'avenir par rapport à ce navire, parce que cela appartient à Dieu. Il est du ressort de Dieu de décider de l'avenir de chacun de nous ici dans la salle et ailleurs. De ce point de vue-là, je n'en parle pas parce que cela ne m'intéressait pas. Moi, je fais allégeance au général Mamadi Doumbouya pour l'aider, comme encore une fois, je le dis, pour l'atteinte de ses objectifs les plus grands et de ses ambitions les plus grandes. Moi, je pose cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un certain Ousmane Gawal Diallo au sein du gouvernement, mais qui réclame toujours une place au sein de l'UFDG. Bon, tant mieux, chacun a sa façon de faire de la politique. Moi, quand j'appartiens à une entité, je ne fais pas, bien sûr, je ne sais pas faire cela. Quand j'étais UFDG, tout le monde sait que j'étais loyal et fidèle à l'UFDG. Et c'est indiscutable, personne ne peut contester cela. Donc ici, aujourd'hui, vous n'avez aucune intention de revenir à l'UFDG, L'intention de revenir, je dis bien, vous n'êtes pas croyant. J'ai dit et je répète que l'avenir est du ressort de Dieu. Vous nous contestez? Non, je ne pense pas. Ce qui reste clair, c'est que je pense que je suis venu et dans mon combat politique, ce que je sais faire, c'est de faire franc jeu et d'avoir des déclarations claires et précises, comme cela est souhaité, disons, de la part d'un homme politique. Un homme politique doit avoir une précision, une clarté dans ses déclarations. Et c'est ce que je fais. De votre passage au CNSP, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez réellement laissé là comme étant... Cela est visible. Cela n'a même pas de besoin. Je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Dans ma lettre de remerciement, je vous enverrai la copie. Vous allez voir l'ensemble des choses que j'ai réalisées et qui sont en cours aujourd'hui. Donc, ça fait que je peux vous garantir que... Les auditeurs et téléspectateurs ne sont pas au même niveau d'information que nous. Mais écoutez, vous voulez que je fasse le bilan de mon passage au CNSP? En quelques mots, les plus grandes réformes. Bon, d'accord. Pour rappel, j'ai déjà fait un documentaire. Ça date de longtemps. Ça date d'une année et quelques mois. Okay. Donc, je ne veux pas revenir. Mais pour les auditeurs et téléspectateurs, les auditeurs doivent savoir que au niveau de la gestion du CNSP, nous avons quand même d'abord recruté des inspecteurs de pêche qui étaient en voie de disparition, puisque en réalité, il faut dire que nous étions venus au moment où la plupart des inspecteurs de pêche étaient partis en retraite. Nous avons fait en sorte que le projet d'acquisition d'un patrouilleur soit, bien sûr, parce que c'est le matériel le plus important pour truc, et que cela soit acquis par la Guinée, que toutes les institutions habilitées en République de Guinée puissent donner leur accord. Nous avons fait en sorte que la rénovation de l'ensemble des bases de surveillance soit effective. Aujourd'hui, les contrats sont déjà ficelés et les constructions vont commencer très bientôt. Nous avons fait en sorte que, bien sûr, les kits pour les inspecteurs soient, bien sûr, achetés par l'État. Cela aussi est acquis. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons rénové et fait l'extension du CNSP dans sa dimension la plus grande et dans sa beauté la plus éclatante. Et cela est une... Bon, je n'ai pas... Il y a trop de choses que nous avons réalisées que il n'est même pas... Parce que je vous dis que je fais projection sur l'avenir. Mais si vous voulez mieux comprendre ce que nous avons réalisé au CNSP, je pense que vous devez vous y rendre et ça fera plaisir. Votre projection, vous parlez, vous projetez maintenant, vous ne voulez pas vraiment regarder dans le rétroviseur. Non, pas du tout. Dans cette projection, est-ce que vous voulez être beaucoup plus politique ou beaucoup plus technique dans cette projection, bien sûr. Cela dépendra, vous savez, quand vous faites... Dépendra de celui qui vous voulez accompagner, mais bien sûr, dépendra de ce que vous avez aussi à offrir. Ce que je dis bien, aujourd'hui, libéré de la contrainte administrative, vous voyez que je prends la parole quand je souhaite, non? Oui. Ben absolument. Ça veut dire ça quoi? Ça vous a beaucoup manqué. Merci vous. Ça vous a beaucoup manqué. Non, je sais pas. Oui. Je suis permis de donner mon opinion sur la vie de la nation, sur le fonctionnement de l'État, sur son organisation, sur celui qui l'incarne, sur les réalisations les plus grandes qu'il est en train d'accomplir et sur ses ambitions les plus nobles. Je dis donc qu'à ce niveau-là, je ne suis pas à une fonction technique là. Et là, vous m'invitez, je reviens. Je viens. Partout où je suis invité, je répondrai. Je n'ai pas, bien sûr, de limites par rapport à ce que je veux faire pour la nation. Et chacun de vous, d'ailleurs, si vous êtes, le mieux placé du point de vue de ceux qui exercent le pouvoir pour accomplir une mission à un niveau donné, c'est vous qui êtes le mieux placé, vous allez le faire. Monsieur... Moi, pour l'instant, je prends des initiatives personnelles. Je me bats pour la sensibilisation, pour...
la mobilisation, pour l'entente, pour le dialogue entre l'ensemble des composantes de la vie de la nation, cela est une obligation morale que je dispense de mon propre essor, parce que je fais en sorte qu'il y ait une certaine entente et une certaine compréhension dans, bien sûr, le processus de construction de la démocratie dans notre pays. Monsieur Keïta, cette question, hein, je peux me tromper, et c'est pourquoi je commence par cela. Récemment, vous avez mobilisé pour Mamadi Doumbouya, vrai ou faux ? Récemment. Oui, absolument, oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je continue à l'apporter mon soutien. Vous avez dit il y a quelques années, si je ne me trompe, vous pouvez me rectifier, que vous vous battez pour la démocratie. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une marche vers la démocratie ? En quoi cela n'est pas une marche vers la démocratie ? C'est la question. Parce qu'on parle de coup d'État. Il est venu suite à un coup d'État. Les coups d'État n'existent pas en démocratie. Non, ça, c'est ce que vous pensez. Vous savez. Non, écoutez, voilà, justement. Expliquez-nous. Les régimes militaires ont toujours intervenu dans la vie des nations. Et c'est là pourquoi ? Pour certains, pour éviter les risques de guerre civile, pour d'autres, pour la stabilité du pays, pour d'autres, pour bien sûr préserver la pérennité du peuple et la vie de la nation. Pour le cas guinéen, vous savez, tout ce que l'on risquait en prélude du 5 septembre, et quand le général Mamadou Doumbouya a pris le pouvoir, vous le savez ce qui a été les déclarations qui ont suivi. Et vous savez, l'adhésion populaire, l'adhésion des forces vives de la nation, cela veut dire qu'il y avait un risque de quelque chose. Donc, soit de l'instabilité, ou même risque d'aller plus loin, les mots sont graves, il ne faut pas les utiliser, peut-être de guerre civile, il y avait beaucoup de trucs. Quand un militaire arrive au pouvoir à ce niveau-là, la transition n'est pas forcément une question de délai à ce niveau-là, c'est le temps nécessaire que ce militaire doit rester pour maintenir la stabilité. Cela a été fait dans beaucoup de pays, vous pouvez vous informer. Les militaires sont venus, ils ont redressé la situation, ils ont fait en sorte que les risques et les polémiques qui, bien sûr, lient les hommes politiques quand ils ne s'entendent pas, et qui peut amener, bien sûr, à nous envoyer vers des choses plus graves. Vous vous rappellerez qu'ici, il y a eu des questions où on a dit qu'il y a eu empoisonnement ici, il y a eu des destructions de biens des gens ailleurs. Oui. Ce sont des choses qui sont très graves, qui doivent être rectifiées, qui doivent être améliorées. Cela veut dire qu'en apportant notre soutien à celui à qui tous ceux que vous considérez comme démocrates de ce pays ont apporté leur soutien, cela veut dire que la légitimité et la légalité étaient de mise. Et que ce que j'ai fait, ce n'était que normal. Et ce que je continue à faire là, elle n'est que normal. J'abonde dans le même sens que Abdallah pour dire effectivement que vous faites bien de le rappeler. Au début, quand il y a eu la prise du pouvoir, il y a eu une adhésion populaire, c'est une évidence. Tout le monde avait adhéré au discours du 5 septembre du président général, colonel d'alors Mamadi Doumbouya, parce qu'il avait fait un diagnostic réel de la situation sociopolitique aujourd'hui. De là jusqu'à nos jours, aujourd'hui, cela fait 3 ans jour pour jour. Est-ce que les choses n'ont pas changé pour pouvoir effectivement interpeller même votre conscience politique ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je reviens sur Bakary Keïta, qu'on appelait généralement le général de la jeunesse au niveau de l'IFDG, qui, il faut le rappeler, qui est considéré comme étant celui qui a obtenu un divorce consensuel avec l'IFDG. Vous êtes nouveau DG du CNSP, la même jeunesse qui était autour de vous au niveau de l'IFDG, ne manquez pas de vous fréquenter, ce qui expliquerait effectivement certains doutes au niveau même de certains du CNRD qui pensent effectivement Bakary jouait le double agent. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a amené effectivement à faire une mise au point pour dire effectivement je reste fidèle au général Mamadi Doumbouya? Vous savez, je ne suis pas d'abord dans un premier temps, je pense que le réuniment n'est pas moi. Dans mes habitudes, je ne me réunis pas. J'ai dit que je soutiens le général Mamadi Doumbouya, je continuerai à le soutenir et je ferai en sorte que des nouvelles trajectoires soient données à la transition quand il y a des incompréhensions. Vous comprenez ? Et cela, ça concerne toutes les gouvernances du monde. Deuxièmement, une amitié que nous créons ici aujourd'hui ou que nous le créons dans d'autres contextes, mes amis restent mes amis. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais, encore une fois, quelqu'un qui a été appelé le général, qui était l'homme le plus convoité à tous les décrets qui étaient proposés par monsieur l'ancien président, il était sollicité, qui est resté constant, fidèle et ferme dans l'opposition. En aucune fois, ma personne n'a fait l'objet de doute
et de suspicion quand j'étais dans un parti politique de l'opposition. Ce n'est pas quand je suis aux affaires que l'on peut soupçonner sur moi. Je n'ai rien de m'amené à faire, bien sûr, une telle déclaration. La question est venue de l'un d'entre vous, puisque vous, les journalistes, vous êtes le plus souvent très prétentieux. Vous posez des questions pour eux. Vous posez des questions. Vos amis ont posé la question, je l'ai répondu. La question vaut son pesant d'or, parce qu'effectivement, quelquefois, vous étiez amené effectivement à dire les gens de vous éloigner parce que tout simplement ça dérangerait quelque part pour ceux qui d'ailleurs même convoitaient même votre poste. C'est des éléments qu'ils brandissaient comme quoi le cordon n'est pas coupé avec l'IFDG. Attention. Mais écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas, ceux qui aspiraient à ma fonction, qui d'ailleurs est une ambition noble, moi je pense que l'ambition de vouloir être à une fonction de directeur, de ministre, pour un cadre quelconque, à quelque niveau qu'il soit, même si c'est mon subordonné, je pense que c'est une ambition noble. L'ambition n'est pas ignoble, elle est noble là. Bien. Donc de ce point de vue-là, je ne faisais pas allusion à ça, je ne faisais pas calcul de cela, mais je me rappelle pas une seule fois d'avoir dit à qui que ce soit que je veux que tel s'éloigne de moi ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je dis encore une fois, je le répète, le reniement n'est pas Mohamed Bakary Keïta. Je ne me renie pas. Bien. Quand vous dites tout à l'heure que j'ai trouvé un divorce consensuel, cela veut dire que vous me félicitez et que vous reconnaissez que j'ai fait preuve d'intelligence et de grandeur. Donc ça fait que cela, politiquement, j'étais quand même officiel. Je n'ai pas caché. J'ai dit, je soutiens le général Mamadi Doumbouya et je lui ai apporté mon soutien le plus grand, encore une fois, et le plus sincère. Oui, dans votre ancienne maison, le CNSP, on va parler beaucoup plus technique dans cette question. Il y a ce qu'on appelle la cellule de débarquement. Qu'est-ce qu'elle représente au niveau de CNSP? Vous allez me permettre de ne pas. Vous allez poser la question à ce monsieur, le nouveau directeur, qui certainement un homme intelligent. Un homme intelligent. Le nouveau directeur du CNSP est le mieux placé pour parler au nom du CNSP. Non, aujourd'hui, on ne parle pas. Comment ça fonctionne? Je laisse la latitude à monsieur. C'est quoi la cellule de débarquement? C'est quoi? Est-ce que je n'ai pas oublié peut-être? Non, vous n'allez pas. Peut-être que j'ai oublié. Attendez, vous donnez votre langue maintenant au chat? Où vous fiez la question? Cela dépend, c'est votre opinion à vous. Je vous le concède. Ce que je dis et qui est clair. J'ai dit, quand quelqu'un est à la tête d'une entité, il est le mieux placé quand il s'agit de parler de cette entité. D'accord. Vous êtes revenu sur quelques passages que vous avez pu apporter à cette maison. Et puis, il n'y a même pas tout. Mais juste, je dis juste. Non, la cellule de débarquement. Oui, c'est quoi? Allez, Mohamed, c'est bon. Vous savez, laisser la latitude. Bien, on va évoluer. Mohamed Lebas, on va évoluer. Parlons politique et surtout de l'actualité. Et tu te sens mieux dans ça? Oui, évidemment. C'est ce qu'il veut d'ailleurs. Il se sent mieux dans la politique. Il faut servir le plat que le client souhaite quand même avoir. Voilà. Parlons politique et surtout de l'actualité politique. Abdallah l'a dit tout à l'heure, vous avez quand même mobilisé pour le président Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, les velléités quand même, je dis bien les velléités ou l'intention prêtée à l'homme, c'est sa candidature à la magistrature suprême, c'est-à-dire être président dans la légalité aujourd'hui de notre pays. Est-ce que dans ce combat aussi, vous vous inscrivez? D'abord, je vais vous dire une chose. J'ai mobilisé pour le général Mamadi Doumbouya, je continuerai à mobiliser pour le général Mamadi Doumbouya et à sensibiliser. Maintenant, l'autre chose qui est votre question. Vous savez, les intentions ont toujours été prêtées à tout le monde dans ce pays. Même le fait que je prends la parole aujourd'hui, les gens vont dire que j'aspire à autre chose. Il me prête des intentions. Oui, puisque vous avez récemment échangé avec un haut cadre de la présidence dont je vais taire le nom. Vous le savez. Et après votre jours, limogeage, vous avez échangé avec les personnes à la présidence. Ah bon? Donc je ne sais pas quelles sont les instructions. Ah, vous ne savez pas? Moi, ça, je ne maîtrise pas. C'est normal qu'il soit étonné. C'est un acteur politique. Je ne sais pas. Vous voulez que je donne son nom? Non, on ne va pas se mettre dans ça. Allez, on va laisser. De toute façon, je vous dirai. Je vais vous dire une chose. D'accord. De tout mon combat politique, et ça va continuer, vous allez le remarquer, je suis un homme désintéressé. Poste sans poste, j'ai dit je soutiens le général Mamadi Doumbouya, ce sera ainsi. Vous pouvez remarquer. Je ne suis pas, moi, j'ai une manière de faire de la politique qui, je pense, qui doit être différente de la manière habituelle par laquelle les autres font. Ce qui est mon identité, je l'assume et je le propose. Si
et les gens sont d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais je laisse la latitude de l'arbitrage des idées des hommes politiques du pays au peuple de Guinée. Et les décisions les plus grandes, qui concernent bien sûr le sort de chacun de nous, par rapport à qu'est-ce que nous devons faire quand il s'agit d'un poste électif, là aussi je laisse au peuple de Guinée. Encore une fois, il n'est interdit à aucun Guinéen d'être à une fonction officielle. Encore une fois, j'ai dit l'ambition n'est pas ignoble, elle est noble. Ça, c'est une question de l'ambition. Quand le peuple estime qu'à un niveau donné ou à un moment donné de la vie de la nation, que tel est mieux placé par rapport à tel autre, bon, il faut même dire tels autres, pour la gestion du pays, si c'est le peuple qui le souhaite, je m'aligne, moi. Et cela est du ressort de chacun de nous. Personne ne peut dire que le peuple peut demander à un de ses fils, à un quelconque niveau que ce soit, de venir le servir et qu'il va refuser. Personne ne peut le faire. Ça veut dire que vous êtes pour la candidature de président Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya est candidat pour le présidentiel souhaité par le peuple de Guinée, je l'apporterai mon soutien total et inconditionnel. Mais pourquoi vous n'avez pas fait cela avec le professeur Alpha Condé? Pourquoi vous n'avez pas fait cela avec le professeur Alpha Condé? Ben, écoutez, je vais vous dire. Oui? Je dis bien qu'un parti politique, c'est un idéal. Quand vous êtes dans un idéal, c'est un idéal. Sauf que Mamadi n'a pas de parti politique. Donc, s'il vous plaît, oui, mais j'ai dit bien, c'est un homme d'État. Okay? Qui avait pris incarne, aussi des engagements. Qui incarne la cause commune, encore une fois. Qui incarne la cause commune. Vous comprenez? Là, c'est au-dessus même des idéaux. De ce point de vue-là, cela n'est pas comparable à quoi que ce soit. Et comme vous l'avez dit, quand je rejoignais le CNRD, c'était officiel. Il n'y a pas de discussion autour de ces questions. Sauf que le CNRD n'est pas un parti politique. C'est là que nous ne comprenons encore pas. Encore une fois, à l'époque, qu'est-ce qui ne vous a pas amené à poser la question que j'accepte de m'éloigner complètement de l'entité parti politique pour être dans la cause commune? On a la voulu cause poser commune, la question. C'est que vous êtes un parti politique, un État. C'est quoi? C'est l'incarnation et la représentation nationale. L'incarnation de tout le peuple de Guinée. Il n'y a pas de faction au sein d'un parti, au sein de l'État. Celui qui incarne cet État-là n'est comparable à personne. Il est au-dessus de la mêlée. Quand vous devez le rejoindre, vous le rejoignez avec la neutralité nécessaire. Et c'est ce que j'ai fait pour eux. J'étais neutre et je l'ai rejoint. Sauf que vous ne l'avez pas fait précédemment. Avant ça, vous ne l'avez pas fait avec est-ce que j'ai dit que je soutenais le professeur Alpha Condé? Non. Je ne l'ai jamais soutenu. Parce que vous n'avez pas accepté le décret. Je ne l'ai jamais accepté. Je n'ai pas accepté de le soutenir. J'ai décidé volontairement et proprement aujourd'hui, de soutenir le général Mamadi Doumbouya. Mais quelle est la différence entre les deux alors, les deux présidents? Quelle est la différence? Parce que ce sont des chefs d'État. Je ne vais pas revenir. Personnellement, je ne vais pas revenir sur cela. Un ancien président est un ancien président. Un ancien directeur aussi. D'accord. Ce que je ne comprends pas, il y a sous peu, c'est-à-dire quelques années en arrière, vous avez quand même pris part à un combat contre quelqu'un qui a été démocratiquement élu. Et aujourd'hui, vous prétendez, je dis bien, vous prétendez accompagner quelqu'un, c'est-à-dire dans un autre combat pour s'offrir un pouvoir qui serait vu par d'autres comme étant illégal et illégitime, alors que ce dernier-là avait pris un engagement de ne pas se présenter. Est-ce que vous ne trouvez pas cela paradoxal? Bon, deux poids, deux mesures. D'abord, c'est que le paradoxe est à votre niveau. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de paradoxe, encore une fois. C'est toujours comme ça. Oui, bien sûr. Moi, je pense que, et je vais vous le dire, quand il s'agit de la politique, la légalité et la légitimité n'est conférée que par le peuple. Quand le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée, quelle est la seule préfecture de la Guinée où vous avez entendu qu'il y a une manifestation contre le général Mamadi Doumbouya? Quelle est la seule force vive, entité, en République de Guinée qui a fait une déclaration officielle pour dire qu'il est contre? De ce point de vue-là, vous tous et nous tous avions reconnu qu'il y avait une nécessité de l'intervention des hommes du CNRD pour le 5 septembre. Donc cette légitimité-là, on le convert. Il n'y a pas de problème. Et ça, on le donne. La légitimité dépend, bien sûr, du consensus, de l'unanimité ou de la majorité que l'on peut, bien sûr, faire obtenir par une entité. Justement, parlant du consensus, on va le laisser aller. La question de légitimité à ce niveau-là n'est pas une question. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez démocratie? C'est l'adhésion populaire à une cause.
à un processus, à une démarche. Le peuple de Guinée trouve nécessaire que la transition intervienne et que les hommes et les femmes qui composent la vie de la nation et qui sont les élites du pays se retrouvent pour discuter sur l'avenir de la Guinée et sur le devenir de son peuple. Cela est une nécessité absolue. Nous devons le faire. Encore une fois, tout ce qui est nécessaire pour l'avenir de la Guinée doit se faire. Si cela peut maintenir la stabilité du pays et maintenir la pérennité du peuple guinéen. Surtout que les militaires ont pour charge la garde de la vie de la nation. Oui, Yaya. Les mêmes faits produiront toujours les mêmes effets. Effectivement, nous sommes dans une situation transitoire. Il y a un bon nombre des acteurs sociopolitiques aujourd'hui qui sont en désaccord avec la vision du général Mamadou Doumbouya, parce que l'accusé parfait en tout ça, c'est le peuple. Hein. Chacun, de son côté, met en avant, effectivement, le peuple et s'exprime au nom du peuple. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose parce qu'il y a effectivement cette contradiction interne pour laquelle, jusqu'à date, il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire un dialogue franc, ouvert à tout le monde, pouvant trouver, effectivement, ou aboutir tout au plus à un consensus aujourd'hui. Vous prêtez allégeance au général Mamadou Doumbouya. Qu'est-ce que vous le conseillerez effectivement pour pouvoir aplanir les divergences aujourd'hui et trouver un consensus au cours duquel effectivement lui-même il pourra mener à bon port sa transition ou la transition tout au plus pour naturellement nous éviter effectivement les erreurs du passé, parce que tout semble indiquer effectivement nous sommes dans cet état de fait. Vous savez, nous les hommes politiques, nous devons prendre conscience d'un certain nombre de choses. En 2010, nous avons demandé au peuple de Guinée de sortir pour demander le départ d'un militaire qui avait fait moins d'une année à la tête du pouvoir. Et nous avons promis au peuple de Guinée que quand nous, les hommes politiques, nous allons venir au pouvoir, que nous allons rester unis pour construire la Guinée. C'était ça la promesse de 2010. En 2009. Nous avons dit, encore une fois, je le répète, personne ne peut contester, que nous allons non seulement construire une démocratie en Guinée, et que nous allons faire en sorte que la Guinée soit construite parce que nous allons rester unis. Si un devient président, les autres vont se mettre autour de lui. Nous avons échoué. Nous devons prendre conscience de cela. Les hommes politiques ont échoué. Nous autres, y compris moi-même. Bien. Il faut le dire. Nous avons échoué à cela. Nous avons fait une promesse qu'on n'a pas respectée. C'est un engagement que nous n'avons pas tenu. On ne parle pas de ça. Cet engagement, nous ne l'avons pas respecté. Mais vous n'aimez pas parler du passé. Hein? Parlons non, du passé. On va l'écouter. Je pense que la précision, elle est importante. On a le temps. Nous avons échoué à le faire. Vous pensez que c'était avec Gaieté de Père qu'on faisait des mobilisations et des manifestations contre le président Alpha Condé? Non. Des gens avec lesquels vous vous êtes retrouvés autour de la table lors des forces vives de la nation en 2009. Avec lesquels vous avez pris des décisions, avec lesquels trucs. Et puis après, vous faites des promesses au peuple de Guinée, vous ne les respectez pas. Toutes les organisations et toutes les manifestations que nous avons organisées, vous savez c'était pourquoi ? Pour réclamer les élections législatives, les élections communales, des questions de place. Aucune manifestation n'a été organisée pour demander le référendum constitutionnel. Personne ne l'a demandé, aucun leader politique. C'est parce qu'on avait estimé tout simplement que la constitution qui était là ne souffrait quand même de rien. Non, de mais attendez, non, absolument, non. La constitution était déjà illégitime. Je vais vous dire ce qui s'est passé. En 2010, la présidentielle de 2010 entre les deux tours, la constitution disait que deux semaines après le premier tour, on organise le second tour. Mmh. On est resté 4 mois au moment où celui qui a promulgué la constitution était aux affaires. On ne l'a pas fait. De ce point de vue-là, cette constitution était illégitime. La faute à qui ? La faute à nous, les hommes politiques. Bien. Je l'assume encore une fois. Moi, je n'ai pas de problème, moi. Moi, je n'ai pas, je dis, j'ai la précision et la clarté. Je le dis, nous. Alors, Alpha Condé avait raison, effectivement, de rejeter cette constitution parce qu'elle était illégitime. Je dis bien la constitution, je dis et je répète ici. Je dis, nous n'avons organisé aucune manifestation pour réclamer un référendum constitutionnel. C'était une faute. Toutes nos demandes étaient... question de place. Et nous voulions être à l'Assemblée nationale pour avoir les privilèges et les avantages liés à cela. Nous voulons être à des élections communales pour avoir les avantages et les privilèges liés à cela. Alors que les vraies questions étaient des questions outre que cela. Ce sont des choses qu'il faut dire clairement et sans ambiguïté. Des avantages. De ce point, quand il s'agit de ces questions-là, il faut être clair. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Quand vous faites des erreurs et des fautes graves à l'endroit du peuple de Guinée et à l'endroit de la vie de la nation, et que cela vous envoie à appeler l'armée à intervenir, à vous d'avoir le profit bas et d'avoir l'idée de la négociation. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous empêchez ? On va le laisser aller. Sinon, on ne va pas comprendre le débat. Ce que je vous dis là, c'est un peu l'esprit. Allez-y. Moi, j'étais un acteur de la chose. Hein. Allez-y. Vous savez, voilà. Je sais, disons donc que
quand il s'agit de cela, vous devez avoir, vous devez faire preuve de grandeur, d'intelligence et de patience, de tolérance et bien sûr de compréhension, parce que c'est vous qui avez fait appel à l'armée. C'est nous qui avons fait appel à l'armée pour intervenir, pour que les passeports soient restitués, pour que les partis politiques et les QG soient ouverts, pour que les 400 jeunes qui étaient en prison soient libérés. Parce que tout simplement, on avait échoué, encore une fois. Quand on est à ce niveau-là, la charte de la Constitution dit que le CNRD, c'est l'ensemble de l'armée guinéenne, l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Un parti politique, aucun, ne doit s'opposer à son armée. Vous discutez avec votre armée, vous dialoguez avec votre armée. Bien. Un parti politique doit être partenaire de l'armée, lui apporter des solutions, lui apporter des idées, lui apporter, bien sûr... Même quand il devient politique. Il n'y a pas d'armée politique. Quelle est l'armée qui est politique? La sienne? Elle devient politique. Celle de la Guinée? Bien. Elle ne l'est pas. Bien, cette autre question, puisque vous, cette fois, vous parlez d'histoire, donc on va se plonger dans l'histoire. La Constitution a été le problème en 2010, vous l'avez rappelé, puisqu'entre les deux tours, le timing n'a pas été respecté. La charte de la transition est toujours de mise. On est d'accord? Toujours de mise. Bien, bien sûr. Toujours de mise. Aujourd'hui, si le président Mamadi Doumbouya avait dit que le 31 décembre, parole de militaire, 2024, une seconde ne va s'y ajouter, qu'il va céder le pouvoir ou organiser des élections. J'ai dit bien céder ou organiser des élections. À cette allure, en tant que politique, là, pas en tant que Bakary soutien de Mamadi, mais en tant que politique, si on devait aller sur la parole d'honneur d'un militaire, parce que vous l'avez dit, que l'armée, on négocie avec l'armée. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que le CNRD que vous soutenez est dans la ligne qu'elle a tracée et qu'il a tracée en tant que CNRD? Bien. Je n'ai jamais vu une déclaration venant du général Mamadi Doumbouya lui-même qui dit que, lui-même, que le 31 décembre, il a laissé de le pouvoir. Je n'ai jamais entendu ça. C'est vous qui me l'apprenez. C'est un discours officiel, une adresse à la nation du 30. Non, je répète les termes. Là, maintenant, je vais répéter les termes. Ni une minute, ni une fraction de seconde ne va s'ajouter au 31 décembre. Mamadi a promis d'organiser des élections. C'est le général Mamadi Doumbouya qui l'a dit. L'adresse est là, hein. Vous pouvez voir. Ça, vous me l'envoyez. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. C'est très simple. Absolument. Je vous l'enverrai. Pourtant, je suis quelqu'un qui retient souvent. Si, je vous l'enverrai. Vous me l'enverrez. Moi, je n'ai pas vu ça. Ce que je sais et qui est clair, vous savez, il faut quand même que les choses soient claires. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Il y a eu une concertation ou une consultation des forces vives de la nation. Il a été demandé à chaque force vive ou à chaque entité d'envoyer des propositions par rapport au délai de la transition. Cela a été fait au gouvernement qui l'a transféré, bien sûr, au CNT. Le CNT s'est prononcé là-dessus en tant qu'entité législative du commandant de l'armée de Guinée. Et cela a été, bien sûr, transféré au gouvernement pour le proposer à la CDAO pour que discussion ait lieu afin que l'évaluation du chronogramme guinéen soit confié, bien sûr, à la CDAO. Cela est très clair. Ouais. La CDAO, donc, a été choisie par le peuple guinéen pour faire l'évaluation du chronogramme guinéen. Bien que la plupart des autres transitions se sont désolidarisées de la CDAO, la Guinée est restée avec la CDAO, mais avec des responsabilités partagées. La Guinée avait des responsabilités par rapport au respect de la transition, bien sûr, et sur le plan technique et sur le plan financier, mais aussi la CDAO avait des responsabilités. L'évaluation de la situation devrait être progressive, et l'a été. La CDAO devrait nous dire, voici régulièrement, oui, on est à tel niveau-là, voici ce qui a été fait, voici ce qui n'a pas été fait, voici ce qui a réussi, et jusqu'à présent, la CDAO semble être satisfaite de l'évolution du processus de la transition en République de Guinée. La francophonie, récemment, a déclaré clairement que le processus d'évolution de la transition en République de Guinée est acceptable, de ce point de vue-là. Quand nous faisons focus sur le délai et que nous voyons que l'institution qui est une institution internationale à laquelle la Guinée a souscrit valablement de par les pairs de la nation, quand nous voyons que nous avons bien sûr des difficultés de compréhension par rapport à l'évaluation que cette institution fait, puisqu'on ne peut pas la mettre en cause, ce que l'on fait, c'est de demander un dialogue à l'interne en Guinée pour discuter des questions qui sont liées à la vie et à la stabilité du pays. Justement, parlant de ce dialogue-là, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le problème, c'est l'opposition ou la classe politique? Non, nous devons, il faut savoir, quand on demande à ce qu'on vienne à un dialogue, et surtout quand il s'agit de la vie de la nation, on enlève toute forme de préalable. Il n'y a pas de préalable. On vient, on discute de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous soulevez tous les sujets.
tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous les soulevez. Il est du rôle de l'État de régler les problèmes. L'État n'a pas pour rôle d'éviter les problèmes. Il a pour rôle de régler continuellement les problèmes. Des fois, d'anticiper sur les problèmes. C'est vrai que s'il y a des problèmes aujourd'hui d'incompréhension dus à ci ou ça, ce sont des incompréhensions mineures quand il s'agit bien sûr de la vie de la nation. Nous devons être autour de la table, enlever toute forme de préalable pour dire non, moi je ne viens pas tant que ça c'est pas dit, tant que ça c'est pas fait. Quand on vous appelle, vous savez, Bernard Gomou, après le dialogue proprement dit, avait appelé ceux qui ont à l'époque dit qu'ils n'allaient pas participer au dialogue. Et ce dialogue-là aussi, il n'y avait que des questions de préalable qui ont été soulevées. Ça n'a pas abouti. Le Premier ministre Baouri est venu. Vous avez vu, tous les partis politiques sont passés. Il y a eu des questions. Et il a proposé à ce que le dialogue se fasse. Les gens ont dit non, il y a des préalables. Surtout quand il s'agit d'un d'entre vous, qui est aux affaires, faites en sorte que, quand il s'agit de la vie de la nation, que vos égos personnels ne fassent pas, bien sûr, ombrage à quoi que ce soit. Discutez, faites en sorte que, oui, la vie de la nation soit au-dessus, bien sûr, de vos intérêts personnels. Sauf que les acteurs politiques vous diront que, depuis l'arrivée de Baouri, le dialogue est au point mort aujourd'hui. Les choses ne bougent pas. Je ne suis pas un commentateur de l'opinion de quelqu'un. Comment ? Ok, mais c'est une évidence. C'est ça, c'est leur avis. Bon, mais oui, c'est une évidence. Moi, je ne commente pas. Est-ce que vous allez peut-être, ce que vous venez de dire là, est-ce que vous allez dire la même chose aussi par rapport à la sortie du, comment on l'appelle, du président de l'UFR, Sidya Touré ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Récemment, par rapport à l'organisation des élections, voire même que le président Mamadi a la possibilité de se présenter. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui, de sa sortie ? Non, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, je vais vous dire, quand la Constitution sera adoptée et qu'il est dit que chaque citoyen est libre de se présenter, s'il en a le droit, la latitude est donnée à chaque citoyen de se présenter et l'arbitrage et le choix revient au peuple de Guinée. Le rôle d'un parti politique, c'est quoi ? Dans un pays, c'est de faire en sorte qu'une concurrence loyale soit organisée entre l'ensemble des fils du pays qui ont le droit d'exercer la fonction politique. Exactement, qui ont le droit. Qui ont le droit. Oui, bien sûr, personne. Ce qui me fait rire un peu, oui, c'est quand je vous entends parler de peuple, de peuple. Parce que récemment, par rapport aux élections qui ont eu lieu quand même, quand vous étiez, j'étais bien, quand vous étiez à l'UFDG, vous avez toujours contesté des résultats. Mais et en ce moment-là, on parlait aussi au nom du peuple de Guinée. Est-ce que vous ne pensez pas que ça n'est de trop, et surtout quand on accuse le peuple d'être responsable de ce qu'il n'en est pas? Bien, écoutez, je vais vous dire. Vous savez, dans une tribune que j'ai fait sortir récemment, j'ai clairement dit que nous, les hommes politiques, nous avons fait douter le peuple de Guinée sur, bien sûr, l'importance des élections en République de Guinée. On organise une élection avec des milliards de francs guinéens. Près de 500 milliards, 600 milliards, 700 milliards sont utilisés pour l'organisation des élections. Le lendemain de la proclamation des résultats, nous contestons les résultats. Vous savez, vous ne me suivez même pas. Moi, je dis ce que je pense, hein, et sans ambiguïté. Je le dis et je le répète, c'est nous qui avons fait douter le peuple de Guinée sur l'importance des élections dans ce pays. Nous disons, les 500 milliards et les 700 milliards qui sont utilisés, qui pouvaient être utilisés pour la construction d'écoles, de centres de santé, de ceci. On prend ça pour la construction d'une démocratie forte. On dit qu'il faut faire cela pour organiser, bien sûr, une élection. Quelques temps après, c'est nous qui contestons. Ce sont des fautes que nous assumons. Moi, en tout cas, je l'assume. Donc, vous pensez que toutes les organisations, toutes les élections organisées... Le micro. Est-ce que vous pensez que toutes les élections organisées de 2010 jusqu'en 2020 ont été transparentes? Et les résultats ne souffraient d'aucune anomalie, irrégularité. Ça c'est autre chose. Ça, c'est une autre question. C'est une question que je vous pose. Répondez juste. Non, je dis simplement. De mon point de vue, nous avons fait douter le peuple. Mais l'ambition première, l'engagement premier et le serment que nous avons pris au peuple de Guinée, c'était quoi ? C'était que quand un civil sera président, il fera en sorte que l'ensemble des autres civils soient autour de lui pour la construction du pays et pour l'instauration d'une démocratie forte en Guinée. Voici ce que nous avons pris comme un engagement. Maintenant, de ce point de vue-là, quand vous êtes régulièrement dans la contestation des résultats, quel que soit le motif pour lequel vous le faites, c'est ça, c'est le motif, ça vous revient. C'est vous qui avez été Premier ministre lors de la transition de 2010, c'est vous qui avez composé l'ensemble du gouvernement, c'est les partis politiques, c'est que vous ne savez pas, je vous le rappelle. On était, nous, membres du gouvernement. On avait choisi le Premier ministre. Vous étiez là? Vous étiez là. Nous avons mis la CENI en place. C'est nous qui étions, on était dans la CENI.
Nous avons organisé, nous avons mis le démembrement de la CENI sur l'ensemble du territoire. On était représentés à tous les niveaux. À ce niveau-là, s'il y a faute, c'est qui? C'est nous. On assume. Ça, ce sont des choses que vous ne savez pas. Moi, je le dis. Vous savez, quand on doit parler de la vie de la nation, nous devons le faire de façon sincère. Et de ce point de vue-là, ne doutez pas de moi. Moi, je suis de bonne foi. Et je dirai ce qui doit être dit. Et donc, vous concluez aujourd'hui effectivement que le problème, c'est la classe politique. Mais nous avons fait des erreurs qui nous rattrapent. Il faut le reconnaître. Il faut que ça soit clair. Nous avons fait des fautes inacceptables. Je dis bien, le premier ministre qui l'a choisi, c'est nous. La plupart des membres du gouvernement, tous les partis politiques avaient leurs membres du gouvernement. À l'époque, Salou Bella Yalo, ancien vice-président de l'UFDG, était le représentant de l'UFDG. C'est clair. Vous le savez, ministre de l'enseignement professionnel. Mais qu'est-ce qui empêche les partis politiques? Ce que je veux vous dire, la CENI, l'ensemble des membres de la CENI, une partie était composée que des partis politiques. Les démembrements dans toutes les préfectures, dans les localités, on était là, dedans. Bien. Et quand il s'agissait aussi de la compétition, c'est nous qui étions les compétiteurs. Ben, s'il y a des fautes graves, c'est l'armée ou c'est nous? C'est nous. Et votre mouvement, vous allez le relancer dans ce pays? Bakary Keïta, ancien directeur général du CNSP, ancien secrétaire général du Comité national des jeunes de l'UFDG, actuel soutien indéfectible, il faut le rappeler, du CNRD, dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Il était notre invité prestige de ce lundi. Merci, monsieur Keïta, d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. Ça a été un débat très intéressant. Merci beaucoup. merci à Abba Mohamed. Merci, Yaya Diallo. Merci, Abdallah. Merci à tous. Merci, Mohamed Leba. Merci, Abdallah. Merci à notre invité. Merci à tous. Merci, Mohamed Ba, le PM. Merci, Abdallah. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique du jour. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec d'autres acteurs de la vie nationale sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.